信的人，头上会永远有光环，皮内有伤。抛得开几多恋爱，再去爱的人，头上会永远有光环，云外有天。Finalement, qui réclame la balle, ça sera finalement pour Marie Johannes. Grande ouverte! Cinquième pour la finale à aller chercher pour l'une des deux équipes. Johannes, elle traverse le terrain, elle a shooté tout à l'heure. Là, elle préfère. Johannes. Johannes qui accélère le rythme à main gauche de Johannes. De retour sur le parquet. Johannes, ça change de très très loin, 45 degrés. Marie Johannes, voilà 8 points pour elle. Attention, Marie Johannes n'a pas du tout l'intention de s'arrêter là. Elle veut poursuivre l'aventure des playoffs. Elle sort le grand numéro là dans la première mi-temps. Quel tir de 5 dernières secondes. Elles ont un avantage de 7 points et peut-être un peu plus. Alexia Charter, oh, au buzzer s'il vous plaît. Énorme aussi Marie Johannes. Encore Johannes au bout du chrono. Johannes au milieu de deux joueuses. Elle arrive à passer. Elle qui est lancée dans le 5. Marie Johannes, elle a ouvert la première brèche. Johannes, et ça passe avec du toucher, un angle impossible. Ouais, ça semblait pas tant celui-là. Alors ça semblait impossible à marquer surtout. Il y a vraiment que cette joueuse qui soit capable de faire. Confiance dans tout ce qu'elle fait. Elle va défendre sur Marie Johannes qui a dégoupillé sur sa défense pourtant autoritaire. Quel shoot de Marie Johannes. Il se figure sauf qu'il est inversé. Et oui, c'était une passe inversée aussi de Marie Johannes. La passe régale par 3 points. Il est content, David Gauthier, il est content, son système est passé. Normalement, un pick de figure, c'est le grand qui prend l'écran dans le dos, alors que là, c'est... Là qui attend 4 secondes, fallait trouver une passe à terre, elle le fait. C'était la 7ème pour le SBBA dans cette partie. Pendant que Marie Johannes trouve des situations favorables. Et elle les exploite. Alerte rouge pour Villeneuve d'Ascq en ce moment. Allemand qui veut trouver une Marie Johannes qui joue complètement possédée. Oh, mais c'est quoi? Des lunettes. Mais c'est quoi ça? C'est magique. C'est féerique. La fée est sortie à l'Astrobal. 46-29 et l'Astrobal qui se lève justement. Ah, quand elle est comme ça, elle est tout simplement injouable. Sur un match sec et sur terrain neutre, bah, n'importe qui peut s'imposer normalement. Allez, Lucas, Fred, pour égaler Bourges, il faudrait non seulement remporter ce titre de champion de France, mais aussi la Super Coupe et le match des champions. Et oui, c'est vrai, il faudra être là la saison prochaine pour cette équipe de l'Asvel qui jouera sans doute la Super Coupe face à l'équipe vainqueur de l'Euroleague cette année, c'est-à-dire le Fenerbahçe, elles qui ont été capables de battre Galatasaray en finale de l'Eurocup cette année. Vous retrouverez dans quelques instants, je crois, Johan Gomis. C'est prévu? Alors, c'est prévu, c'était pendant quelques instants. Alors, Marine, tout d'abord, félicitations pour cette qualification. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est très dur avec toi. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose, c'est comme si cette équipe, elle dépend de toi, elle est sur tes épaules. Mais tu as mené cette équipe depuis le début de saison. Tu es leader offensif de cette équipe. Tu mènes cette équipe au bout. On aime tes exploits, on compte sur toi. Mais à chaque fois, on a aussi la possibilité à chaque fois de dire oui, mais c'est la faute de Marine Johannes, mais elle n'a pas été dedans. Comment est-ce que tu gères cette pression? Comment est-ce que tu gères justement toutes ces critiques et en même temps, tu sais répondre sur le terrain en restant toi-même? Comment tu réponds à ça? C'est difficile. C'est vrai que je m'en prends un peu par la tête des fois. Mais je sais que j'ai le soutien du club, le soutien de mes coéquipières. Et rien que ce soir, je pense pas que je fais le meilleur match de ma vie. Mais à l'image de Blake, à l'image de Julie qui revient de blessure, de tout le monde, on se bat vraiment pour l'équipe. On est vraiment soudés, on s'entend super bien. Et on sait que... On savait qu'on voulait créer une histoire du club. On l'a commencé par l'Eurocup.
On a beaucoup été critiqué après, après la Coupe de France, mais je pense qu'on n'est pas resté abattu, on va dire. On est resté très concentré. Et malgré une super équipe de Bourges, voilà, c'est... on voulait pas finir comme ça, pas la manière dont on a joué là-bas. Et non, je pense que c'est une grosse victoire collective. Le public nous a vraiment poussé, c'était une super ambiance, encore un super événement à vivre. Et voilà, je suis super contente. J'aimerais demander, lorsque vous avez eu cette défaite à Bourges, il fallait revenir ici et on se disait, c'est des mathématiques, il faut gagner 13 points. Mais ce soir, c'est plus que 13 points. Ce soir, vous avez joué comme s'il n'y avait pas de différence de points. Vous êtes lâché. Comment ça s'est passé, cette préparation de match? Comment, quand vous êtes arrivé sur le terrain, comment vous avez abordé les choses? Comment vous vous êtes ressenti? On a fait beaucoup de vidéos. On en avait marre. On s'est entraîné. On est revenu ici, on s'est entraîné dur. C'est dur mentalement, on va pas se mentir, de perdre de 13 points, c'est jamais simple, surtout à Bourges et contre Bourges. Donc on est resté concentré, on a vraiment vu des choses intéressantes en vidéo, comme je disais. Voilà, on jouait avec le cœur depuis le début de saison, on a pas mal de pépins. Là encore, Gabi, elle a pas joué ce soir, mais on retrouve Julie. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on perd quelqu'un, ça nous fait quelque chose aussi dans l'équipe. Et ça nous pousse à encore plus se battre sur le terrain, donc non, je suis super contente, merde. Et ben alors bravo pour cette qualification, bravo pour la finale, Marine. On souhaite que le meilleur contre Villeneuve-d'Ascq, premier contre deuxième. Donc bon match à toi, bon match à ton équipe, et on espère que ça sera une belle finale. Est-ce que tu aurais un mot pour toutes ces jeunes qui veulent faire comme toi, qui jouent comme toi, un petit mot pour un petit mot de Marine JoJANNES? De prendre plaisir sur le terrain, même si des fois c'est pas facile, on se prend beaucoup la tête dans le basket, dans le sport en général, mais voilà, faut rester soi-même et aussi faire confiance à ceux qui sont là pour toi. Et voilà, prendre du plaisir, c'est le plus important. Merci beaucoup, Marine.